Allez, cette fois-ci. Allez, Brissac. Allez, Brissac, mon bébé. Brissac qui concède parfois de précieuses longueurs. Là, il est parti sur la bonne jambe. Alors que rapidement en tête, nous allons retrouver Victoria du Viaduc avec un rêve fort. Venez, soyez. Allez, Brissac. Qui a cafouillé dans ses allures. Brissac qui perd un petit peu de terrain. Soutiens-le à Brissac, soutiens-le, et toi aussi Timoko, soutiens-le. Allez Brissac, allez mon bébé, allez mon bébé d'amour, allez je te vois là, allez vas-y tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez Brissac. Le wagon de la deuxième épaisseur. Brissac, de plus en plus fort à l'extérieur, qui vient à hauteur de Victoria du Viaduc, le numéro 6. Allez Brissac, allez mon amour. Allez mon amour, tu peux le faire. Allez, encouragez-le, Timoko. Et le numéro 7, un de mes Brissac, toujours en troisième épaisseur, qui va tenter de couvrir. Il est sollicité un petit peu, Brissac. Il va tenter de couvrir Hutwin. Il vient aux commandes de l'épreuve, puisque précédemment, Vicomte Boufarco avait relayé le numéro 6, Victoria du Viaduc. Allez, Brissac, mon bébé, vas-y, 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 tu peux le faire. Allez, vas-y, bébé, allez, vas-y. Est à l'arrière, on s'explique entre les deux drivers, Dominique Cordeau et le driver du numéro 4, Luciol Joy, c'est un de mes qui ferme la marche. Le dernier tour de piste avec Vicomte Boufarco qui tient tête pour l'instant, numéro 10, Brissac, troisième place pour Victoria du Viaduc, accompagné par Hutwin. Vas-y mon bébé, vas-y. On est toujours sur une troisième ligne côté corde avec à son extérieur le numéro 2. Regarde le méchant, tu vas lui faire peur. Numéro 9, Vicomte Boufarco. En deuxième position, Brissac, faute d'arrêt d'Eaufort qui perd le contact. Un dernier passage en face avec Vicomte Boufarco, Brissac qui s'explique toujours en tête de l'épreuve. Troisième position, Victoria du Viaduc, Hutwin qui est tout près, numéro 8, alors qu'Alto du Loir trotte en cinquième position. Allez mon bébé, allez mon bébé. On va vite en face avec Brissac, toujours à l'extérieur de Vicomte Boufarco qui tient bon pour l'instant. Avec en troisième position, Victoria du Viaduc, le numéro 6, quatrième place pour... Allez mon bébé, allez mon bébé. Il arrive au mix, Brissac qui a failli se tromper, mais qui conserve néanmoins, qui partage les commandes de l'épreuve avec Vicomte Boufarco qui lui tient toujours tête côté corde. On accélère encore avec Brissac à l'extérieur. Brissac qui passe encore, la surmultiplier, l'appui de... Allez, vas-y, mon bébé! Allez, vas-y, mon bébé! Ne le double pas! Ne le double pas! Qui en a trop fait, cède complètement à Ribomix qui va lutter pour une place avec Hutwin, avec Alto du Loir également, le numéro 2 qui devrait tracer une très belle ligne droite. Mini droite avec Brissac bien parti pour enregistrer un nouveau succès. Bravo, mon bébé! Bravo, mon petit Brissac! Bravo, bravo, bravo! Au numéro 5, Arribomix devant le numéro 2, Alto du Loir, formidable Brissac qui n'a pas failli encore une fois aujourd'hui. Bravo, bravo mon bébé, bravo mon bébé. Pendant cette course, la victoire du numéro 10, un Brissac qui s'impose assez facilement, comme vous l'avez dit, dans cette 8e et dernière course. La deuxième place pour le numéro 6, vient ensuite le 5, le 2 et le 4. Je répète l'arrivée toute provisoire de cette belle course, le Grand Prix d'Inavena. La victoire de Brissac, le numéro 10, qui a fait beaucoup plus...